Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black and White 2, oh yeah. Et aujourd'hui, petite information, donc normalement là, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'épisode précédent, c'est-à-dire, c'était la vidéo, alors je sais plus, si c'est la vidéo sur Black and White, je sais plus ce que je dis, l'épisode précédent, donc le 22, est sorti et donc vous avez pu remarquer, normalement je l'ai dit dans la description, qu'il y a un décalage son image, donc dû au fait que j'ai changé la configuration de capture de la vidéo, enfin c'est à dire que bon j'avais fait une manip, enfin bref un truc à la con, une configuration complètement chelou, sauf que là en fait j'ai changé de micro, on va dire j'ai pris un micro que j'avais déjà sur pied. Enfin sur pied, un micro qu'on peut poser, voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas un micro de studio bien sûr, hein, c'est un petit micro sympa, que j'avais testé sur mon autre ordi, sauf qu'il faisait un son dégueulasse, et en fait j'avais pas pensé à enregistrer avec Audacity finalement, donc là c'est la première fois que je teste, vous m'en direz des nouvelles, je teste avec Audacity, donc normalement là il n'y a plus de bruit de fond. Oui, parce que dans la vidéo Black and White que je viens de sortir, où je dis qu'il n'y a pas de bruit de fond, il y en a un et il est encore plus dégueulasse qu'avant. Donc voilà, c'est du blabla ce que j'ai dit. Mais là, j'enregistre avec Audacity avec un autre micro. Donc là, le son est franchement très très potable. J'ai écouté normalement. Donc si c'est bien, je vais rester comme ça. Enfin, je vais voir, on verra. Selon ce qui se passe. Donc on reprend tout de suite. Aujourd'hui on va faire un petit peu de combat. Si on a le temps, vous voyez, on avait fait deux bataillons, des archers, des fantassins et puis quelques petites catapultes pour agrémenter le tout. Et on va aller titiller pardon, qu'est-ce que je dis? Bientôt personne ne pourra résister à la beauté de ma cité. Oui, on va aller titiller Jean-Michel, là, le type qui fait de l'armée, voilà, on va aller d'abord détruire celui-là. Ou quoique, en fait, j'hésite. Non, on va aller détruire... ouais, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, en fait, finalement, on va plutôt aller là, ça va être plus simple. Comme ça, on va pouvoir prendre possession de la muraille. Et tiens, je remarque que nous avons des intrus par ici. Alors, les amis... Là, Oh, mais c'est horrible, hein. Écoutez, j'ai une idée. Pardon ? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ils m'attaquent, d'accord, ils essaient de... Allez, peut-être là. Non, c'est beaucoup trop loin. Attendez, je vais réessayer, on va réussir. Peut-être de plus loin. Peut-être de plus loin. Ah là, c'est... Oh oui, là c'est parfait, vous voyez là? Oh là, j'ai bien visé. Ça va être le massacre. Oh là 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 là. C'était magnifique. Les enseignements ne peuvent... Oh, je les ai déglingués. Et eux qui sont aux portes et qui se font mais mitrailler. Ah mais mince, ils ont déjà des archers aussi. Sauf que les nôtres sont beaucoup plus expérimentés et qu'on est sur des murailles. Quoique, ils ont l'air de s'en sortir pas mal. Hein. Ici, j'avais entamé une politique des naissances, si je puis dire ainsi. Ouais, c'est vrai que la population a sérieusement augmenté. Alors, c'est un vioc. Comment ça, ça... Ah mais je suis con, attendez. J'avais pas fait gaffe. Bon allez, on va s'amuser. On va varier les plaisirs. Allez, un petit peu d'électricité. Voilà, ça déjà c'est fait. Et pour finir... Oula, j'ai bousillé tout mon stock de mana. Là, va falloir faire du sacrifice un petit peu. Ah voilà. Oh alors là, c'est nickel. On pouvait pas rêver mieux. Je me décale un peu. Ah, c'est nickel. C'est nickel. Bon ben voilà, j'ai soulagé mes archers. D'ailleurs, ils sont combien maintenant? 26. Ouh, ils ont pris cher. On va bientôt s'attaquer à la création d'une armée dans cette ville-là, puisque faut bien qu'ils servent à quelque chose d'ailleurs. Ben, ils demandent une garnison. C'est très bien. Par contre, quand faut-il que je puisse la construire? D'accord, alors ça va être problématique. Ah non. Ici? Ici. Voilà, tout à fait. Nickel, bon ça déforme un peu le terrain mais c'est pas grave. Donc on va sortir tous nos mecs. Oh, le gratte-ciel. Vous voyez, il est très... Oh, il est vert même. Ah, c'est vraiment bizarre, j'avais jamais vu un gratte-ciel du mal. Hop. On va vite fait sortir nos armées. D'ailleurs je vais juste rajouter, si je peux, alors c'est où. Ah oui, j'oublie déjà. Garnison. Je vais faire une autre armée encore de fantassins.
Voilà, 70 pas plus, ça devrait suffire pour être sûr qu'on ait assez. D'autant plus qu'il faut compter me hein, dans le tas d'ailleurs. Me. Elle est stupide cette vache. Hein. Ah, vraiment, elle est vraiment stupide. Me. Je soignerai beaucoup nos villageois. Ah oui, t'as intérêt. Mais t'as vraiment pris du pinard. Non, c'est... Je sais pas si c'est du muscle, mais ça ressemble un peu à de la graisse. Hein. Quoique, elle a que le bide, donc je sais pas vraiment. Allez, viens là. Et plus vite que... Non, mais encore le tigre. Attendez, on va faire un petit match de catch avant ça. La tribu est attaquée. Mais non, attendez, on va lui faire... Ça va être drôle déjà. Oh, bah sur lui, ça me semble. Attendez, regardez. Voilà, alors j'espère que t'as apprécié. Oh là 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 là. Bon, c'était un petit peu bugué, mais c'était beau. Ah bah voilà, enfin. Oh, vas-y, des coups de corne. Oh, magnifique. Magnifique. Elle lui a mis une de ses pâtés. Et maintenant, elle met des sacrés coups de corne. C'est parfois de ramasser du bois. Bon, vas-y. Quand tu veux, ramasse du bois. Moi, ça me fait plaisir. Ça fait que augmenter ma richesse. Et on voit que t'as pas mal de cornes maintenant. C'est plutôt bon signe. Bon, allez, maintenant, tu vas sortir. On va te positionner ici. Hop, on sort les guerriers et on part à l'assaut sans plus tarder. Sinon je sens que ça va prendre une éternité. Alors attendez, je jette un petit coup d'œil. Ici, non c'est bon. Ok, alors là il ramène des soldats. Je suppose pour venir m'attaquer. Mais bon, ça ne marchera pas. Et notre escadron ici est fini. On va essayer de faire des mouvements coordonnés. Je commence à faire... Oh, me dis pas qu'elle s'est bloquée quand même. Oh, elle s'est bloquée. Alors ça m'est... Bon attendez, ce qu'on va faire, on est obligé. Elle s'est coincée toute seule en fait. Merde. Ah, c'est vraiment une tannée ça. Allez, destruction. Voilà. Allez me, je te fais un chemin. Non, qu'est-ce que je dis moi. Hop, tu viens ici. Non mais t'es pas sérieuse là. Allez, viens là. Hop. Allez. Et il fait nuit noire, elle est obligée de se déplacer. Ouais, elle est obligée d'aller par là. Bon écoutez, on va reconstruire. C'est un peu con d'avoir détruit ça là. Pauvres gens qui habitaient là, ils avaient rien demandé eux. Et j'ai toujours pas réglé ce problème de mots en anglais. Bon allez, let's go. On y va. Oh tiens, en passant, on va aller se faire ces clampins là qui se ramènent. On fait avancer les catapultes bien comme il faut. Voilà, on est coordonné d'abord. Je me suis gouré dans l'orientation, ça va être par là. Et donc me... Tu vas venir là. Allez, elle dort déjà. Non. Non, viens là. Je ferme les portes. Tu es heureuse. Oh, tu es heureuse. Oh. Bon. Et au fait, faut que je ferme ce putain de menu de construction. Ok, mort déjà. Bah c'est sympa dit. Mais allez, aidez les archers. Mais non, j'hallucine. Putain, ils sont vraiment idiots. Allez. Ah mais c'est parce que c'est des archers aussi eux. Et on a pris un niveau. Bah ça tombe bien, ça les fera XP. Bon, on va aller faire une première étape dans ce village. Voilà. Enfin dans cette ville qui est sous la domination, enfin sous le joug ennemi. Des japonais, mais bon, on s'en fout puisqu'il y a personne. Ah merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai mis à attaquer, non, c'est... Je voulais juste une action de déplacement. Voilà, bah ça va bien se passer. Normalement, c'est censé bien se passer. Après, il pourrait y avoir des complications. Et ils ont rechargé le séisme. Bah tiens, on va... j'ai eu un espèce de bug. On va aller défoncer la porte. Ouais, quoique, je vais attendre... Non, je vais attendre les catapultes, c'est plus sûr. Puisque contre les archers, les catapultes, elles sont insensibles, hein, faut le dire, hein, quasiment. Donc ici, la population, elle a sûrement bien augmenté. Il s'éclate bien à l'auberge. Population, ouais, ça avance doucement, quoi. Donc, ici... Bon, on s'en fout, ça sert à rien de capturer cette ville, de toute façon. Il n'y a aucune ressource, on n'aurait strictement aucun avantage pour nous. Et là, c'est la nuit, mais même la nuit, attendez, il est quelle heure? D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore le bug, là? Oula. Ah oui, ça, c'est parce que c'était un nuage, d'accord. Non, il n'y a plus le bug du ciel, mais c'est la nuit, là, on est en pleine nuit.
Ok, bah elle dort en attendant l'arrivée des soldats. Allez, c'est parti. On les fait avancer bien comme il faut. Vous allez là. Nickel. Et on ordonne aux catapultes d'aller défoncer la porte. Mais je pense à un truc. Il me semble que la créature renaît dans cette ville. Si je ne dis pas de conneries. Ouais, ils ont un enclos ici, effectivement. Donc, normalement, le tigre est censé être là. Ou à moins qu'il... pas... si, son corps a disparu. Ok, bon. Allez, me. Viens ici, me. Tu vas assister. Tu vas tout défoncer. Là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Je dis bien, normalement. On va pas trop les faire avancer parce que sinon, les archers sur la muraille vont en profiter. On va la mettre là, voilà. Ah bah ils ont fermé la porte. Quand ils nous ont vu arriver, ils flippent là, hein, ils flippent là. Ça se voit. Allez. Pétez-moi cette porte. Plus vite que ça. Pourquoi il y en a une? Je sais pas. Ah non, les archers... ils ont même fait les bruitages. Les archers n'attaquent pas les catapultes. Non, en fait, je voulais que t'attaques cette porte-là. Et ils ont pas bien compris. Attendez, j'ai pas avancé assez mes troupes pour l'assaut. Je remarque. Hop. Me, tu vas gentiment... ouais, s'ils pouvaient défoncer les... ouais, bon, d'accord, j'ai compris. Me, vas-y. Toi tu vas attaquer ce mur là. Toi tu vas attaquer celui-ci. Oui, parce que sinon on n'y sera jamais, hein. Voilà. Exactement. Et maintenant on envoie tout toute l'armée. Et on fonce. On va capturer. Alors pendant que les... eux ils vont capturer. Et les... wouh. Et les archers, ben, les archers se font plaisir. C'est impossible. Et eux, ben, les enseignements ne peuvent échouer. Ils vont se déplacer ici. Apportez-moi le manuel de guerre. Je dois me renseigner sur la façon de combattre les créatures. Allez, me, vas-y. Ils ont pris nos remparts pour cible. Vas-y, me. Déchaîne ta puissance. Cessez de nous résister, peuple grec. Mais non. Rejoignez. Alors, attendez. Notre grande cité. J'espère que par contre, ils sont pas rentrés. Non, c'est bon, aucun problème. Moi, ouais, ils envoient des renforts, mais bon, ils n'arriveront strictement pas à temps. Ah, ils essaient d'attaquer, j'ai l'impression. Voilà, c'est la grosse baston. C'est la grosse baston. Bah attendez, me, ce que tu vas faire, c'est plutôt tu vas attaquer eux. Pendant que eux, ils vont capturer. Ouais, surtout que c'est des archers. Allez, me. D'ailleurs, pourquoi je lui ai mis la laisse de récolteur? Par contre, il y a des petits lags. Oulala. Eh, mais il est trop beau, là. Et nous on est en train de capturer la ville. Oh oui, ça c'est bien. Pouvoir d'électricité, c'est parfait. Elle a tout compris. Et elle a pris cher quand même. Allez-y là, qu'est-ce que vous attendez? On y va au plus vite. Et mon bataillon de fantassins s'est fait dégommer, mais dégommer. Et voilà, c'est capturé. C'est parfait. Allez, me, va attaquer. Faut qu'on les déloge parce que sinon... Allez, elle fait son super crit de guerre. Le crit de guerre qui déboîte. Par contre, nos catapultes vont... et y a encore un mec. Ah bah c'est bon, il est décédé. C'est bon. Ah bah merde, il ramène encore des potes. Bon, on va les attaquer. Hein. Ce qu'on va faire tout de suite là, il est où le... tac. On prend le minerai, on va vite réparer la porte et les murs parce que... ah mais d'accord, ah c'est pas dans ma zone d'effet. Ok, d'accord. Si, c'est bon. Ah non, attendez. Ah non, non, c'est pas dans ma zone d'action, non. Donc, ah merde. J'ai laissé le minerai. Ah mince. Putain, ça fait beaucoup de fois mince là. Ils ont ramené le tigre. Baston. Oh bah attendez. J'avais pas fait gaffe, mais vu qu'on a capturé... tac, voilà.
Oh, ils vont se bouffer tout. Voilà. Ah, c'est parfait. Attendez, et eux on va les cramer parce que hop. Et je vais... Ah, j'arrive pas à saisir. Mais hé, le pouvoir du feu. Et on va assister au magnifique combat. Ah non. Ah si. Et voilà, eux ils étaient en train de d'essayer d'aller capturer. Oh, et le lion, le tigre. Et le tigre est mort. Oh, me, tu es très forte. Ah, me. Me, tu as la classe. Ah, me, tu as la maxi classe, vraiment. Là, je ne sais quoi dire. Tu as vraiment une de ces maxi classes. Et vas-y, soigne-toi. Voilà, tu l'as bien mérité. Ah non, ça, par contre, c'est pas bon. Je veux pas du coup. Ah, ils ont fait des... Ah, ils étaient en train de construire des temples. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des maisons pour essayer de réparer cette porte. Parce que ça va être... Ah, mais j'avais... Et forcément, ils avaient ouvert cette porte. Oh là là. Par contre, ici... Ah, mais je peux quand même la fermer. Ah bah, c'est cool, ça. Ah bah, c'est bon. Plus de problème. Ok, bon, bah voilà, les amis. On a capturé cette ville et ça a pris pas longtemps du tout. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a bien évidemment la merveille. Ah ah ah. Aujourd'hui on va s'amuser. Allez, je vous promets que avant la fin de cette vidéo, on va utiliser le miracle séisme. C'est promis. À la fin de la vidéo, pas tout de suite. Et donc on va tout de suite entamer une politique des naissances comme j'aime tant le faire. Disciple reproducteur. Ah, c'est parti, disciple reproducteur. Ah mais il y a... Oula, ça fait un petit b. Oh, c'est tous des vieux ou quoi? Non, mais c'est... Il y a une population... Disciple reproducteur. Il y a une surpopulation de vieux dans cette ville. Et en plus, il y a un enclos. Ben parfait. Elle est où, me? Elle est où? Ah, elle est là. Elle se soigne. Ok, ben va dormir un peu. Non. Inspecter. Ah, je peux pas pioncer dans son enclos. Ah, c'est con, ça, par contre. C'est dommage. Attendez. Je vais me servir. C'est quoi ça? Auberge. Bah on va vous construire une auberge. Parce qu'on est gentil. Je vais faire mes besoins sur... J'ai pas vu mais à mon avis ça avait l'air d'être drôle. Oh bah c'est bon. Ils en ont du bois. Bon, ce qu'on va faire, on va plutôt s'occuper de cette ville que de la principale pour l'instant. Tac, on va construire des maisons histoire qu'ils aient... Mais par contre je veux pas... Putain, ça m'énerve, ça me fait du bien. Mais c'est pour aller plus vite, hein. Et ça fait pas mal de prestige, mine de rien. Je suis étonné. Mais on va le faire plutôt dans cette zone-là, histoire de... Ah mais d'accord, moi je peux pas le faire vu que c'est déjà dans une zone. Enfin, ça c'est un petit peu con. Ah putain, trop... Oh là là, je fais que de la merde. Et j'arrête pas de dire... Ah, voilà. Donc je donne des habitations à la population. Voilà, parce que je suis gentil. Par contre, il va... Je suppose que le tigre va renaître, va ressusciter plutôt, dans l'autre ville. Parce que sinon, ce serait complètement stupide. Il va respawn dans notre ville tout le temps. Enfin, all the time. Ce qui fait qu'il va se prendre des dérouillés. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Me ne commence pas à avoir son pelage noir, là. Alors que pourtant, elle fait le mal, quoi. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait un certain temps, là, qu'on y est dessus. Bon, bref, on verra dans les prochains épisodes. Et mais ils sont vraiment... Beaucoup de personnes dans cette ville sont des vieux, quoi. Hein. C'est incroyable, ça. Surpopulation de vieux, là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était ça. Ils étaient voués à leur perte. Les japonais, enfin le frère constructeur là, le frère bâtisseur comme il s'appelle là. Je sais pas s'ils sont... C'est pas le frère qui aime la guerre, le frère c'est le frère qui aime bâtir, soi-disant. Et encore une auberge, et ils aiment faire la teuf dans ce pays. On va essayer de construire ça, pas assez d'arbres, c'est pas grave, on en a juste là, on va en profiter pour déforester. Ah, ils ont une mine aussi. Intéressant. Alors est-ce que j'aurai assez? Ouais, nickel, nickel. C'est nickel, ils ont pas beaucoup de nourriture, bon c'est pas vraiment un problème. Donc on va jeter un petit coup d'œil sur
notre ville principale, bon, qui a l'air de se porter plutôt bien. Je vais peut-être faire un deuxième gratte-ciel. C'est quoi ça? Hein? J'ai jeté quelque chose, j'ai pas compris ce que c'était. C'est pas grave. C'est ça que je voulais faire. On va rajouter des gratte-ciel. Parce qu'ils aiment pas ça. Bah, faudrait déjà que t'en aies, Michel, pour ça. Hein. Hop. On en met. On va pas faire des tours trop hautes parce que c'est chiant à la longue. En plus, si vous en construisez plusieurs, je vous dis pas la galère que c'est. Allez. Et en plus, avec cette souris. Allez, clic, 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 clic. Alors, je sais pas si certains d'entre vous s'intéressent beaucoup à l'actualité, on va dire high-tech, informatique, enfin bref, tout ce que vous voulez. J'ai vu hier soir la conférence d'AMD, pas en entier, mais un petit peu, on va dire une petite partie, et faut dire que leurs nouvelles cartes graphiques ont l'air plutôt alléchantes, hein, mine de rien. C'est vrai que il y a quelques questions à se poser entre Nvidia et AMD, mais bon. Je sais pas, ah, moi je viens d'acheter la mienne, c'est pas un problème, elle est très bien. Même si une de leurs nouvelles cartes, ça me tenterait pas mal. Bref. On verra ça en fin d'année. Donc, il nous reste combien de temps? Vu qu'on a capturé cette ville. Tiens, ici aussi, il faudra qu'on aille les deux. Bientôt. Oula. Personne ne pourra résister à la beauté de ma cité. Non mais t'existes plus, toi t'es déjà foutu en fait. Y'a que ton frère qui résiste. Et encore qui résiste, c'est un bien grand mot puisqu'il va se faire déglinguer de toute façon. Bah on va faire... Bah vu qu'on a rien à... Eh oh. Ah voilà. Vu qu'on a rien à faire pendant un petit moment, on va s'amuser. Ouh, oh, oh, oui, oui, oui. On va se servir du miracle du séisme. Vous voyez, c'est un pouvoir gratos, quoi. On n'a même pas besoin d'acheter la merveille. On l'a des... Ah, quoique, ici... Ah, mais ils ont des catapultes, ce serait pas rentable. Oh, mais... En plus, ils projettent déjà... Ils projettent de migrer. Putain, mais ça, par contre, c'est pas normal. Va falloir qu'on agisse vite avant que on gagne par le prestige. Ce serait vraiment très con. Mais ça c'est à cause des tours je crois, hein. Ça fait beaucoup de prestige, même si, bon je sais pas, ils aiment pas les habitants, c'est pas grave. Et il manque de nourriture, c'est la famine. Bon, au lieu de causer, je vais plutôt le faire là, ça va déformer complètement le terrain et ça va les abîmer, bien comme il faut. Allez, je vous laisse admirer le spectacle. Oui, alors normalement, il est censé y avoir une foule de danseurs autour. Pour accumuler de la puissance et pouvoir utiliser la merveille. Bon là il n'y a personne. Alors je sais pas si le son est trop fort, mais dans mes oreilles c'est hyper fort. Oh là là. C'est beau les amis, c'est beau. Ah oui, nous on voit la première personne, c'est encore mieux. Et mon Facebook. Ok, bon. Ouais, c'est pas mal. Même, c'est même très bien. Ça fait une jolie brèche dans le paysage. Et voilà, c'est fini. Et on les a bien niqués. Voilà, ça c'est un pouvoir de merveille bien utilisé. Oh putain, par contre, ça va faire une espèce de crevasses énormes dans le relief, ça a complètement déformé. Et on a défoncé leur mur. Ah ok, il y a personne qui est mort. D'accord, ok, bon. Eux ils ont résisté, mais c'est pas grave. Donc ça va se résorber dans pas longtemps. Il n'y a plus qu'à attendre. Et on pourra rentrer comme on veut. Youpi. Voilà une bonne nouvelle. Alors par contre, je vais voir... S'il reste beaucoup de prestige avant que les autres se ramènent, parce que j'ai pas du tout envie qu'il... 7000. Ah ouais, faut que je fasse gaffe. Ah ouais, faut que je fasse gaffe, faut que je fasse gaffe. Je vais plutôt mettre des taudis parce que... Ouais. Et attendez, je suis en train de me rendre compte que je viens de faire une énorme... Bon, au pire, on s'en fout. Bon, maintenant, elle habitera autre part parce que là, elle pourra plus passer, donc... Putain, c'est chiant sur cette carte, on voit pas quand on... Ouais, on voit pas où sont les chemins. Faut de la nourriture. Eh ben, cultivez les champs, mes amis, cultivez.
je vous interdis rien, moi. Faites ce que vous voulez. Allez, vous voyez, 304 de prestige, c'est n'importe quoi. En fait, j'aurais peut-être pas dû mettre autant de... autant de gratte-ciel. Bon, je pense que dans le prochain épisode, on aura fini ce royaume, hein. C'est quasi certain, même. Oui, c'est sûr, même. Donc, on va pouvoir enfin aller affronter les Aztèques. Enfin. Mais c'est pas le dernier royaume, hein, je vous rassure. C'est l'avant-dernier, pour ceux qui ne savent pas. Avant-dernier royaume, donc... donc on a deux royaumes contre les Aztèques, c'est tout. Enfin c'est tout. En fait il n'y a que les Japonais qu'on affronte pardon, pendant un certain temps. Bon, un royaume de plus quoi, c'est-à-dire trois. Mais bon, c'est pas très grave. Et là je vois que non, au final on a augmenté, donc c'est mieux. Et on a vraiment beaucoup trop de population. Tu m'étonnes qu'ils aient la dalle quoi, ils sont trop. On va faire un petit peu d'épuration. Disciple reproducteur. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, vous êtes trop nombreux. Ok, bon, on va varier un peu les plaisirs. Voilà, ça c'est fait. Oh, j'ai pas eu beaucoup d'évils là, c'est marrant. Bien sûr. On augmente le mana, on va en mettre 2-3 en prison. Ouais, parce que j'ai 8 personnes dans la prison. C'est un peu con ça d'ailleurs que la prison se remplisse pas toute seule. C'est un petit peu bizarre. En gros, elle sert à rien la prison. Peut-être à faire du mal ou du prestige, je ne sais pas. Pourtant, ils sont beaucoup dans les champs, je comprends pas, regardez. Regardez, ils sont tous agglutinés là. Oh là là, ça m'énerve. Bon alors les derniers, on va faire un petit jeté du haut d'une montagne. Ça pourrait les faire. Ah ouais mais merde. Ah si attendez, on va le faire de là. On va essayer de viser les soldats. Mais à mon avis. Oh, oh j'ai visé trop loin. Oh là 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 là. Et ils sont encore vivants, vous êtes sérieux. Ah non, il y en a un qui est décédé. Ah je suis désolé. Mais ils sont quasiment tous vivants, par contre ils ont mal hein. Ah ils ont mal. Et le reproducteur il est vivant. Purée mais j'ai visé loin hein, quand même. C'est bizarre en fait. Alors le tigre il est toujours pas revenu. Non le tigre il est... Ah mais oui voilà en fait. Alors si je dis pas de conneries. Voilà le tigre. Faisons les goûter à la fureur de nos armées. Le tigre vu qu'on a capturé la ville où était son enclos donc pour ressusciter. Enfin normalement puisque ça marche pas pour nous, ça qui est bizarre. Ouais donc normalement bah, il peut plus ressusciter quoi. Son corps a disparu pour de bon. On verra plus ce tigre à la con jusqu'à la fin de nos jours. Putain le prestige là ça fait... Ah ça fait chier ça. Ici il construit gentiment. Est-ce que les taudis cet adulte. Ok bon ça va. Dit ça va, ça fait moins 400 de bonheur alors moi je m'en fous. Ici ça va ou pas? Est-ce que ma politique des naissances a fonctionné? J'ai pas l'impression puisque je vois absolument personne et il y a que des vieux. Mais regardez ça, un vieux, deux vieux. Attends, ça va, deux vieux, trois vieux. Qui sont les autres? Merde. Bah il y a que le clampin qui attend la sortie de l'auberge. D'ailleurs c'est le seul disciple heureux. Mais il n'y a personne dans ce lieu. C'est incroyable. Et pourtant, il y a plein de fondations, mais il n'y a personne qui construit. Envoyez un détachement contre ces Grecs. Ah, trouvez. Ah non. Hé hey, hé. Mais en fait... Disciple reproducteur. Bon, écoutez, on va faire un petit transfert, voyez. Ils sont où Voilà, j'emprunte 15 personnes de cette ville pour les transférer dans celle-ci. Et ils seront tous producteurs. Oh putain, mais eux, ils avaient du minerai, eux. Ils veulent détruire notre ville. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Où ça? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je comprends pas là. Comment ils sont? Ah ok, ils m'ont pété mon mur. Ok, mais ça c'est qu'un détail. Attendez. Alors, ils se dirigent vers où? Que je leur mette un petit miracle dans la gueule. Ils vont où là? Ils font quoi?
Ah les salauds, ils ont bougé. Mais c'est bon, voilà. C'était qu'un détail. Les on va réparer ça tout de suite. Oula putain, mais caisses sont vides, hein, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est pas de l'argent bien sûr, mais... J'ai plus rien là, c'est un peu la dèche. Bon, on arrive aux 30 minutes, donc sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que la qualité du son sera meilleure cette fois. Hein. Normalement, il n'y a pas de problème, je dis bien normalement. Hein. Là, vous avez, on va dire, la basse... Enfin... La basse moyenne qualité dans le groupe de la bonne qualité. Bon, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Vous avez le bas de la bonne qualité, si vous voulez. C'est comme si on dit t'es le meilleur des nuls, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez, dans l'idée, quoi. Bon, bref. Donc sur ce, laissez un petit commentaire, un petit j'aime, abonnez-vous. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, salut à tous.